Oh, bah voilà, la game c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Alors, on a le lézard. Et le crocodile. On va faire le lézard. Je sais pas comment je vais faire. Ah, mais... Les lézards, il est là. Donc la même piste. Je vais quand tu vas faire lever un peu le jour. Non, j'ai dit le jour. Alors la ville de Memphis, elle est très très grande. Mais elle est aussi, bah, c'est très très sale en fait. Comme vous voyez, l'eau est un peu marron. Donc on va rejoindre le clairvoyant. Et on va parler à Senmotet. Donc grandis, lueur, approche, ô lueur. Mon enfant. Tu es arrivé, enfin. Qui est cet homme? C'est le libérateur. Moi qui l'attends depuis si longtemps. Toi? Vite! Aide-moi à tirer mon enfant des griffes de la mort. Accomplissons le rite. Apporte-moi le chaudron. Je suis le maître des choses secrètes.
la forme de l'âme qui repose dans les cieux. Je suis le serviteur du grand Dieu, du vénérable source de toute lumière. Sotis, révèle-toi en ce jour et réponds-moi sans détour. Laisse tes yeux s'ouvrir. Dénué d'humidité, tu dois sortir du ruisseau. Sotis, laisse leurs yeux s'ouvrir. Laisse tes yeux s'ouvrir. La drogue, c'est mal, vous voyez. Par contre, il avait un super chien pour le mec, hein, avec une tête de chèvre. J'espère que Senou va bien. Quel est cet endroit oublié des dieux? Quelqu'un là-bas? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tombeau? Je dois continuer, ou le désert m'engloutira. Ah, oh, mais c'est super ce truc-là. Vous avez vu comme moi là, c'était un espèce de gros serpent. Okay. J'ai pas peur de serpents, mais dès qu'ils atteignent une certaine taille. Pas d'armes. Je vous salue, gardien qui veillez aux portes, qui avalez les âmes et dévorez les cadavres des défunts. J'ai fait un long voyage. J'ai vu d'innombrables choses. Je ne suis que l'un de vous. Ça, c'est de la statue, non? C'est un assassin là-bas, non? Le bailli va devenir un assassin. Ah non, c'est lui. De loin, j'ai cru que c'était une tenue d'assassin.
Ah, baston contre le serpent? Oui, non? C'est clair, ça. C'est l'arc de lumière, comme dans Zelda. Anubis, seigneur des morts. Ce vieux fou m'aurait empoisonné. Voilà. Oh, Nek. Ah. Pourquoi je me trompe? Tu ne dévoreras pas mon cœur. Je suis celui qui repousse le destructeur. Apep n'est pas invincible. Tiens, bouffe! Aouh! Protège-moi! Je saisis l'arc et je balaie le ciel! Celui qui repousse le destructeur. Je suis celui qui noue la corde et consolide le sanctuaire. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. C'est mal, hein? Tu ne dévoreras pas mon cœur. Je suis celui qui repousse le destructeur. Allez, je commence à comprendre ce pattern. Il est là. Ça fait mal, hein? Ah, ouf! Tu ne dévoreras pas mon cœur! Tu n'auras pas raison de moi, destructeur. Mon heure n'est pas encore venue.
toi, tout le monde. Je dois trouver un lieu stable. Tu vas ressentir la colère du Dieu Soleil. Je ne rejoindrai pas la Vallée des Ténèbres. Retourne à la mer du chaos. Où est-ce qu'il est ? Ah ! Tu dois trouver un lieu stable. C'est pas moi. Je suis la force qui brille dans son œil. Mon heure n'est pas encore venue. Ah, il s'est pris en pleine tête celle-là. Ouch. Où est-ce que tu te plantes ? Ah ! Tu n'auras pas raison de moi, destructeur ! Je vais te détruire ! Meurs, vengeur d'âme ! Ouais, parce qu'il y a... Ouais, j'attendais ce combat avec le serpent géant, on l'a vu dans le trailer en plus. Non, j'ai oublié. Bon, ben, on va aller dans le trou. Je suis Orion, le grand chasseur. Tu m'apprendras à chasser. C'est nous. Tu vois ? Papa !
Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont revenus, tirés des griffes de celui qui plonge leurs yeux dans le noir. Mon enfant est en vie. Loués soient les dieux. Que vois-tu? Ton ennemi est le même que le sien. Refuse la nourriture du temple. Celui qui la prépare te fait ingérer la chair des morts. Va, tue l'empoisonneur, et libère Memphis de cette funeste engeance. Loué soit celui qui nous délivrera tous. Si tu as l'envie de me parler de ta vision, viens me voir dans la plénitude de l'instant. Merci. Par contre, j'adore ton chapeau. Bon, c'était bien le bad trip, hein, mais... J'aurais dû l'appeler Batterie, c'est pas réveillé. Aya! Mon amour. Tout va bien? Mieux, maintenant que je te vois. Il y avait un hippopotame, c'est moi aussi, je suis un bâtiment qui m'a filé son truc et deux. Il y a une lueur étrange dans ton regard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rêvé de notre fils. Bayek. L'épouse du grand prêtre a été empoisonnée. Et selon son clairvoyant, l'empoisonneur est notre ennemi. Le lézard? C'est ce que je crois. Le taureau Apis aussi est à l'agonie. Nous devons nous rendre au temple. Nous parlerons de tes rêves en chemin. Viens, en bateau, ce sera plus rapide. Alors, quel effet ça te fait d'être Medjay de toute l'Égypte? Ah, c'est un peu comme suivre une colonie de fourmis. Mais je suis fier de servir ceux qui ont besoin. Moi aussi. Et je suis fier de servir la reine. Tu as parlé au grand prêtre? Oui, avant l'arrivée de la reine. Elle vient à Memphis? Oui. Dirigeante exilée se montre au cœur de l'Égypte ancienne, à risque de déplaire aux jeunes Ptolémées. Je suis si heureuse de te revoir, Bayek. Aya, tu es l'unique source de joie qui me reste. Je veux que tu reviennes près de moi. Je suis liée à la reine, je la sers. Et notre lien à nous? Il est toujours aussi fort, mais nous savons de quoi l'ordre est capable. Nous pouvons l'affronter côte à côte. J'ai fait une promesse à la reine. Est-ce qu'elle t'apporte de plus que moi? Elle m'a offert un nouvel horizon. Je ne cesserai jamais de pleurer notre fils. Jamais. Mais je veux aider à bâtir un monde qui dépasse notre chagrin. Afin qu'aucune mère n'ait plus jamais à vivre ce que j'ai vécu. Quand j'aurai tué le lézard... Quand tu auras tué le lézard, je quitterai Memphis. Alors je te suivrai. Chassons ensemble, comme autrefois. Tu as dit que des rêves t'avaient troublé. Est-ce que tu veux m'en parler? Non. Je préfère t'épargner ce fardeau. Nous devrons en parler un jour, lorsque la tempête sera passée. Lorsque la tempête sera passée. Si elle passe un jour. Oui, elle passera.
Par où on commence ? Va inspecter l'enclos. Je vais parler aux prêtresses. Ah, je vois. C'est à moi de marcher dans la bouse. Ah, tu veux remettre de faire le temps de boulot, hein. Bonjour. Ma chère Epta fait certainement goûter l'eau du dieu. Ce sont des offrandes aux taureaux. Elles ont l'air saines. Après, il y a le mec qui va pas mettre une note avec marqué une pomme empoisonnée. Tout de suite. Beau brillant, ta robe a perdu de son lustre. Et je te trouve bien maigre. Puisse à tort te donner des forces. Ouais. Vérité est à l'intérieur. Ouais, mettons les doigts dans le caca. Des noyaux de pêche. Ça avait tué la moitié des bêtes de mon père. Je dois fouiller l'endroit où on garde le fourrage du dieu. Je te trouverai, empoisonneur. Alors c'est vrai, les noyaux de pêche sont toxiques, hein, faites gaffe. Hein. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas bon. Hé, hey, c'est toi qui nourris le taureau Apis? Non, ce sont les prêtresses qui en ont la charge. Tu sais où on garde son fourrage? Dans ce bâtiment, près de l'escalier. Mais on l'a fermé la semaine dernière, quand le taureau est tombé malade. Je te remercie. C'est peut-être le fourrage qui rend le taureau malade. Mais il est trop tôt pour le dire. Il me faut plus de preuves. Du fourrage pour le taureau. Le reste doit être dans cette remise. Les noyaux de pêche. Si on en a donné à manger au taureau Apis, ça expliquerait son état. Et ce collier? Une des prêtresses jumelles emportait un semblable. Je vais aller voir si ça ne vient pas du collier de l'autre. Donc on va retrouver Alia. Oui. Salutations, sœur d'Osiris. Bien ce que je pensais. L'une des prêtresses jumelles n'a pas de collier. Depuis quand? Ça, c'est un moyen subtil d'empoisonner un animal. Mes sœurs, c'est sans doute un accident. Un, peut-être, mais pas autant. Nous devions sauver Pancratès. Hein? Qui? Notre frère. Des bandits l'ont enlevé alors que nous allions au marché. Ils nous ont forcés à empoisonner le dieu. Ils ont menacé de jeter notre frère au crocodile. Depuis, nous en avons perdu le sommeil. Je suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous. Je n'aime pas ça. Ce ne sont pas des malédictions. C'est l'ordre qui est derrière tout ça. Va au temple d'Hathor sans moi. Je ne peux pas les laisser seuls. Après, elle garde un doigt dans une boîte. Hein. Attendez, je vais me rapprocher. Alors, quoi? Ici, là. Il y a des lignes.
Mieux vaut ne pas attirer l'attention. Me soigner. Mes blessures s'enveniment. On va envoyer un chien te les lécher. Je vais éliminer quelques gardes. Ça sera moins de mecs. Ne me laisse pas ici avec ces bandits répugnants. Lui, il a rien vu, il a rien entendu, il C'est moi. Loué soient les dieux d'avoir envoyé un robuste guerrier à mon secours. Tu es blessé. Je vais te porter en lieu sûr. Parle-moi de ton enlèvement. Mieux vaut en parler quand nous serons seuls. Et puis j'ai peur que mes blessures m'aient beaucoup affaibli.
voilà, c'est ma maison. Attends, avant d'entrer, je dois te parler. J'aimerais épargner à mes sœurs les détails les plus pénibles de ma captivité. Je comprends. L'homme qui a ordonné mon enlèvement est un prêtre d'Anubis qui officie au Grand Temple. Un prêtre de l'entourage de Pachérepta. Tu peux me le décrire ? Il porte une écharpe bleue et il tousse horriblement. Le lézard. Je le tiens. Pancratès ! Tu es blessé ? Ils t'ont maltraité ? Ils m'avaient ligoté. Ils me donnaient des croûtes de pain comme un vulgaire mendiant. Alors ? C'est l'œuvre du lézard. Et je vais encore avoir le sang d'un prêtre sur les mains. L'ordre se répand partout. Pour protéger l'Égypte, je suis prête à tuer un millier de prêtres. Nous sommes tous deux voués à la violence. Maintenant. Et à jamais. Je dois avertir Pachérepta. Il attend au palais. J'ai récupéré des chevaux près d'ici. Qu'est-ce que tu attends, mon amour ? Ah, faut parler d'abord, avant. Si on faisait la course, comme à Siwa. Ah, seulement si tu es prête à perdre. Moi, perdre ? C'est ce que nous allons voir. T'es en train de perdre. Je gagnerai le vainqueur. Tu ne le sauras jamais. Bah après vu la vitesse de mes chevaux. Tu es plus lent que Ramsès et il est mort depuis des années. Mais laisse Ramsès tranquille, hein, il a le droit de. Il ne tiendra pas ce rythme. Il a le droit de se reposer pour vivre. On dirait que j'ai eu le dessus. On dirait, oui. Ah, on a tous nos points faibles. C'est vrai. L'un des tiens est la modestie. Qu'est-ce qui se passe ? La reine va parler. Viens, je veux l'entendre. Oui, mais cette course est plus... pas épique. Tant qu'ils régneront, les dieux maudiront le pays et retiendront les eaux de notre fleuve. Mais quand la déesse vivante aura pris sa juste place sur le trône, alors les crues reviendront. Grâce à moi, Memphis scintillera comme un sublime rubis serti d'or. Grâce à moi, l'Égypte triomphera. Je ne dois pas les perdre. Il faut qu'ils prennent ma voix pour celle de la déesse. Oh, il y a des boobs ! Attention sur les boobs ! Ma reine ?
Le taureau Apis souffre-t-il toujours? Nous avons découvert la cause de son mal. On l'a empoisonné. Qui a osé? Les prêtresses jumelles. Qu'on les fasse bouillir dans un taureau de bronze. Déesse, non! On les a forcés! Leur frère a été enlevé par un prêtre qui porte une écharpe bleue et qui tousse. Et Tepi? Mais c'est l'un de mes plus proches conseillers! Celui qui vit dans ton ombre est le plus à même de te trahir. Si même Tepi est contre moi... Il menaçait ta femme et ton enfant, mais ils sont en sûreté. On va s'occuper de lui. Les prêtres d'Anubis vont accomplir des rites dans le grand temple. Tu les reconnaîtras à leur masque. Ma lame sera aussi efficace que la sienne. Non, Aya. J'irai. Peu m'importe qui de vous tuera ce prêtre. Que ce soit fait avant que nous prenions la route d'Héracléion. Attends. Que Ptanoun le père insuffle sa force à ton bras. Alors, trouver Tepi parmi les prêtres d'Anubis et l'assassiner. Alors, et Tepi porte une écharpe bleue et tout son règlement. Il se trouve dans le grand temple de Ptah, et Tepi est un des cinq prêtres portant un masque d'Anubis. On va aller tout près. On va tout se faire, jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Magnifique bug. Par contre, il y a des soldats dans le temps. Ouais, là, c'est là. Combien de Tepi se cachent parmi ses frères? Bon, est-ce qu'il s'énerve si je m'approche? Non. Non. Un seul de ces prêtres mérite la mort. Je ne dois pas me tromper. Je vais faire, je vais le mettre en hauteur, c'est plus facile. Oui. Oui, tous! Il a une écharpe bleue. Et est-ce que c'est considéré comme une écharpe bleue? Ah oui, effectivement, c'est une écharpe bleue. Bon.
Le lézard. Le prêtre qui a maudit Memphis. Je suis le visage de la vieille Égypte. La vieille Égypte est trop cruelle. Des innocents, mutilés. Des enfants tués avant de naître. Le grand prêtre, calomnié. Avant même ta venue, son nom était déchu. Le peuple est le bétail des dieux, mené par le fouet du bouvier. Tu en fais partie, Bayek. Tu n'es qu'un veau. C'est la volonté qui m'anime. Pas la peur. Oh oui. Et qui tient le fouet qui s'abat sur ton dos? Qui exige que ma mort vienne ternir ton cœur? Je réponds à mes dieux. Toi, affronte les tiens. Je lève les malédictions qui accablent Memphis. Il faut que j'avertisse les autres. Là, le mec, il avait un casque de... comme dans Stargate. Ouais. Right position, Gere. Nick Ennis. Ma reine, elles n'ont agi que pour lever la menace qui pesait sur leur frère. Les malédictions ne te gêneront plus. Et Tepi. Qu'est-ce qui a pu le pousser à de telles folies? Memphis est de nouveau à vous. À nous? Cette sombre affaire est réglée. Nous pouvons enfin préparer la fête d'Apis. Puissent les démons dévorer le Ka'ad et Tepi. Et puissent les meurtriers de Kemo connaître le même sort.
Te quitter est un supplice, mais je dois y aller seule. Aya. Je ferai honneur à mon devoir. Et où va-t-il te conduire ? Au nord, pour mettre le feu à la mer. Mon esprit ne te quittera pas. J'espère que nous chasserons de nouveau ensemble. En attendant ce jour, la nuit nous appartient.